Pour ceux qui n'aiment pas trop les jeux d'horreur, c'est un peu déconseillé. Mais bon, de toute façon, je vous souhaite une bonne vidéo à vous. Comment ne pas faire de cauchemars comme ça? Ouais. Je vous avais prévenu. Salut tout le monde, c'est Namsi. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une nouvelle vidéo sur un jeu qui date, franchement. Il date, hein, les gars. Mais bon, nous, on va le rendre cool. Vu que ça fait, de toute façon, 9 ans. Ça fait carrément 9 ans qu'il est sorti. Donc, c'est Alan Wake. Alan Wake. Bon, ok. Du coup, les gars, je vous affiche une image juste ici du jeu. Et donc, on va le commencer. Je vais le lancer et tout, hein. Et on se retrouve juste après. Du coup, les gars, nous voici sur Alan Wake. Voilà, voilà. Remedy. C'est créé par Remedy. Alan Wake, c'est lui en fait. C'est une sorte d'écrivain. J'ai pas encore vu tout le Let's Play. Du moins, je l'ai carrément pas vu du tout. On va regarder ça ensemble, les gars. Et de toute façon, je pense que même vous qui avez peut-être joué déjà au jeu, ça niquer. Donc, dans les options, est-ce qu'il y aurait un truc genre sous-titre? Je pense qu'il est en anglais, hein, par contre. Je sais pas pourquoi. Merci beaucoup, Epic Games. Je vous adore. Donc, on va faire Let's Go, New Game. Et bah voilà quoi. On va faire normal. Du coup, Let's Go, Toze, normal. Par contre, il sera en anglais. Voilà. Ok. C'est lui, Alan Wake, qui est en... T'es en train de parler. Ok, ok, Alan Wake, une musique assez ancienne, hein, on peut dire. It began with a dream. Ça a commencé avec un rêve, ok. Following a typical nightmare pattern, I was late, desperately trying to reach my destination, a lighthouse. For some urgent reason, I couldn't remember. I've been driving too fast down a coastal road to get there. Ah, ça fait mal. Oh mon dieu, il a écrasé quelqu'un. C'est un sorte de cauchemar, mais pas un cauchemar aussi en même temps. Je sais pas trop c'est quoi en fait. Il était mort. Il a cru qu'il allait en prison et ne plus jamais revoir Alice. Et soudain la lumière s'éteint. What? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? What? Il a disparu? Mais c'est quoi ça? Ouais, je vous avais dit que c'était dans un cauchemar. Ouais, voilà, c'est ce qu'il a dit. Il a dit que son corps avait disparu. Ok, chapitre 1, cauchemar. Ok. Bon, déjà, je vous rappelle que c'est une histoire d'horreur, hein, les gars. Pour ceux qui veulent pas vraiment voir des histoires d'horreur, voilà quoi, je vous conseille pas. Look up to the light. Du coup, il nous proposait juste d'inverser le contrôle et tout. Je suis en train de pointer là. Ouais, c'est bon. Du coup, les gars, si je me trompe pas, on doit être dans la lumière. On sait un truc comme ça, les gars. Il y a des trucs paranormaux et tout. Ah ouais. Ok, on a besoin d'aller sur cet endroit là-bas en fait. Parce qu'il y a quelque chose d'important là-bas. Mais je me souviens, ne le reconnaîtront plus. Oui, mais il y a un homme. Qu'est-ce que je fais? Oh non, mais... What? C'est quoi ça? What? Oh non, mais je dois me casser. Ouais, il fait flipper le gars. Oh mon dieu. Ok, le lighthouse il est là-bas. Oui, ça le voit, wesh. Ça le voit. Oh mon dieu, je pense que je dois me casser les gars, allez, on y va. Oh non, la lumière s'est éteinte. Oh mon dieu, mais il est partout les gars. Oh non, mais non, il va me tuer. Au secours, je vais crever les gars. J'ai pas envie de mourir. Ok, je dois me casser là-bas. Ouais, ok, what? What? Mais le gars il est ouais, il fait peur. Ah c'est sa création. Wesh c'est sa création. C'est lui qui l'a créé. Mais non mais il est pas normal ce gars. Wesh Alan Wake t'as fait quoi? Tu te fais hanter par ton propre cauchemar wesh. Enfin ta propre histoire. Allez la lumière là s'il te plaît. J'ai pas envie de crever. Oh non. Mais il est où l'autre? Je dois aller là-bas là. Au lighthouse. Allez. Mais wesh. What? C'est qui lui? What? Mais ça fait flipper. Ouf. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est qui le gars derrière? J'ai pas compris là. What? Wesh. What? Mais c'est qui ce fou? What? Ah, heureusement qu'il ne montre pas ça non plus. Oui, il a massacré à coup de hache. Mais c'est un fou le gars ou quoi? Ouais, je dois aller au lighthouse, c'est toujours ça mon objectif. Ouais, c'est quoi cet œil? Il me dit de mourir. Pourquoi il y a des yeux partout? Wesh, qu'est-ce qui se passe? Je peux pas sortir. Qu'est-ce qui se passe? J'ai envie de me casser là. Oui. Je dois me cacher dans le frigo. Non. What? Oh, je dois me casser d'ici. C'est un piège en fait. Ouais, non, j'ai pas envie de mourir. Ah, mais c'est par là qu'il casse. Mais non, mais qu'est-ce que je fais? Ouais, qu'est-ce qui se passe? Je dois suivre la lumière, ok. Ok. Stay in the safe house. Ah, ok. On doit toujours rester dans la lumière, en fait. Il y a la lumière qui nous parle. Ok, je dois le suivre.
Ok, ok. Wesh. What? Qu'est-ce qui se passe? Il a construit un escalier. Oui. What? C'est quoi ça? Ok, c'est juste la lumière qui peut blesser le noir. What? Je suis en train de désintégrer. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je dois appuyer sur ça. Et c'est bon, il meurt. Ah, ok, il guérit. Il y a des batteries. Ok, je dois prendre l'arme. Je dois faire quoi? Oui, oui, oui. Oh, du calme. Je dois le tuer. Bon, bah, ok, hein. Bah, ciao, mec. Mais quoi sur la tête? Ça le tue même pas. Qu'est-ce qui se passe? Wow. Ok, en gros, je dois buter là, les ténèbres comme ça. Ok, les gars, du coup, let's go buter des ténèbres. Lighthouse, c'est le seul endroit le plus safe. Ouais, 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 ouais. Oui, je vais flipper, le gars. Oh non, mais non, mais dégage. What? Mais non. Il y en a combien? Mais quoi? Mais comment je dois y aller? Ok, je dois sprinter. Il n'arrive pas à venir ici. Ah, ok. En gros, n'importe quelle source de lumière peuvent le blesser. Aïe, il y a de la batterie. Qu'est-ce que je dois faire avec? Oh, j'ai un flare gun avec des munitions. Le flare gun, ça peut les affaiblir, en fait. Enfin, non, ça peut même les tuer. Ça peut les one-shot, je pense. Allez-y, les gars, venez. Eh bah ben non. Vous avez vu, vous êtes mort. La magie, hein. Ok, du coup, le truc rouge là qu'on lance, ça nous protège. Et ça nous protège très très bien même, les gars. Oui, le mec, il est juste derrière moi. J'ai pas envie de mourir. Du moins, pas tout de suite. Oh. Oh mon dieu. J'y vais, je me casse. Je dois vite y aller. Oui. Mais quelle était d'un juste derrière moi? Comment je suis censé? Mais wesh, il jette des voitures, mais c'est un fou. Mais les gars, mais c'est un fou. Non, mais jette pas de voiture là, s'il te plaît, mec. C'est vraiment pas sympa. Jette pas de voiture. Jette pas envie. Wesh, c'est un ouragan le truc, quoi. Oh, oh mon dieu. Il va casser la porte? Ah non, il arrive pas. Ok, il arrive pas. C'est la maison de la lumière, on peut dire. À cause de la maison de la lumière, il arrive pas. La tour de lumière. Parce que le lighthouse, ça veut quand même dire maison de lumière. Non, lumière maison. Qu'est-ce qui se passe? Oh. C'est qui parle? Shh, baby, just another nightmare. Everything's fine. You dozed off. Ouh, c'était juste un cauchemar. Cheer up, handsome. C'était juste un cauchemar. Mais non, mais c'est n'importe quoi. Oh. Ok, il est avec sa femme. Wow. Ils sont sur un bateau. C'est pas vraiment un bateau de croisière vu que il y a beaucoup de voitures dessus, les gars. Mais bon. Ok. Belle ville quand même, belle ville, les gars. C'est une belle ville. Ouais, bon, assez belle quoi. Pas très très belle, mais assez belle. Ok, je suis pas drôle. J'ai atteint le checkpoint. Sure. I'll even give you a title for the shot. A city boy. Moments before he got eaten by a bear. Est-ce que je peux prendre la voiture? Oh non, je peux pas la prendre. Ok, bro. Pause for Ali. Ah, ok. Il était en train de prendre des photos pendant que moi je discutais avec lui. Il y a un hélico? Oh ouais, le nuage quand même. Ouais, bon, c'est un jeu 2010, hein, voilà quoi, c'est un peu normal. D'après, les graphismes ils sont bien quand même. D'un côté, c'est vraiment très très bien le graphisme. J'ai l'impression de me dire quoi, je l'écoute même pas. C'est quoi qui c'est ce bruit là? Ah, c'est la chaîne, c'est parce que j'étais proche de la chaîne. Ok. C'est bon, t'as fini tes photos? Ok. Ok. Il a dit que c'était des bonnes photos. Bah tant mieux. Barry, yeah, we just got here. Are the locals giving you trouble? Just say the word and I'll hop on a plane.
Est-ce que je peux faire quelque chose? Je peux pas péter le moteur là? Non, okay, je peux pas. Je peux sauter dans l'eau moi? Non, je peux même pas sauter au pire là-dedans, mais. L'échelle, je peux les couper? Non, mais je peux vraiment rien faire là, c'est pas possible. Mais gars, c'est son pote. C'est son pote à la compote. Barry is Barry. I can always turn off the phone. What did I tell you? Text message from Barry. He says hi to you too. Ok. Et je dois faire quoi là? Let's go back. Ah ok, je dois aller à l'arrière de la voiture. Ah j'avais pas compris ça. Ici? Wesh, y'a du sang? Oh mon dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Mais quelle voiture, bordel? Ah celle-là. Ah ok. Je comprends pas c'était quelle voiture. I'll go fill her up while you get the key. I'll pick you up here in say 15 minutes. Sure. Okay. Super. Colin, thank you for coming here with me. I love you too. Go on. I'll promise to behave. Je promets de revenir. Ah ah. Non, je pense que c'est le fait dit ça. Ouais. Je promets de revenir. Towns where everybody knew everybody. Welcome to the Odeer Diner. Hi, I was wondering if you could help me. I'm looking for... Mr. Wake. Alan Wake. Oh, God! I am your biggest fan. I know people say that all the time, but I really am. C'est vraiment quand on t'écrit. Rose. Rose. Il en a marre d'entendre ça. Il est là pour prendre des vacances, hein, après tout. Of course, Mr. Wake. He must have gone to visit the restroom. He'll be back in a moment. I can't believe it. I've got all of your books. I got the cutout from the bookstore when they took it out of the window. And you keep it here. Well, okay. Good for you. Ok. Donc, je dois faire quoi? Finn Carl Stucky. Est-ce que c'est lui là? Just don't blame me when you fall in love, cause it'll break your heart when you have to leave. Salut. C'est toi? Non, c'est pas toi. C'est lui. Right. So much for a quiet vacation. Yeah, that makes two of us. Ok, donc non. Mais me dites pas qu'il est là-dedans. Non, mais c'est pas possible. Comment j'y vais? Ah, je dois aller de l'autre côté, ok. Ils veulent vraiment pas le laisser tranquille. Ils veulent vraiment pas le laisser tranquille, le récréant. Coconut, number 6 in the jukebox. I'd do it myself, but both of my legs have gone to sleep. Bad circulation. Il est content. Ah non, c'est bon, là, je veux pas écouter toute leur discussion. C'est quoi ça? Je collecte un thermostat. Non, un truc du genre. Ah, il me dit de ne pas aller dans le noir. C'est très rassurant. Y'a quelqu'un là-dedans? Je peux pas péter. Non, je peux pas péter là-bas. Ouais, la lumière qui. Ouais, bon. Ça veut quand même super flipper. Ah, c'est les toilettes. Vous ne pouviez pas éclairer les toilettes par hasard là? Parce que là, franchement, je peux pas sortir. Non, j'ai pas le droit. Bah, dans les toilettes des hommes, hein, sûrement. Je pense pas dans les toilettes des femmes. C'est un garçon après tout. Y'a quelqu'un? Oh, y'a quelqu'un là? Oh mon dieu. Unfortunately, he was taken ill. Il m'a fait flipper, wesh. Instructions on how to get to the lake. Okay. I wish you a good stay in my cabin. I'll come by later to check how you've settled in. And to meet your wife. Oh mon dieu, mais... Thanks. Bizarre ces gens. C'était elle? Oui, c'était bien elle. Cauldron Lake is a special place. Very inspiring. Je peux pas courir là parce que là franchement il me faut flipper là là-bas. You got lucky this time, young man. You can hurt yourself in the dark. This really ought to be fixed, and then I must remind Sarah to change the lights at the station. It's been too long already. Ok. Il veut vraiment pas que j'aille dans le noir en tout cas. Il est en train de dormir. On peut faire quoi avec? Ah, c'est pour une musique. Y'a quoi comme musique? Ouais, bon, une musique assez relax, hein, les gars. Bon, bah voilà, je vous ai mis ça, les gars. Ciao.
We're waiting for Dr. Hartman to come pick them up. They wanted off from his clinic at the Cauldron Lake Lodge. Ok. Bon bah moi j'y vais hein, les gars. Bye bye. Il a même pas dit ciao, mais... Il a même pas dit bye bye. Bon retour. Ok, c'est rassurant. Les flashlights. Mrs. Wake, your keys. Oh non. Mais non, elle... Il a oublié ses clés. Mais non. Comment il a posé ses clés déjà? Ils sont tombés, hein, je pense, parce que j'ai rien fait. Enfin, si, j'ai juste touché à quelques petits trucs, mais j'ai rien fait. Ok. Ok. La radio. La radio, c'est n'importe quoi. 2010 surtout. Non, la radio, elle était bien pour de vrai en 2010. C'est maintenant qu'elle est un peu plus lassante, je sais pas. Non, pas lassante, mais il y a des meilleures choses. Oui. Oh, mais... Pourquoi vous achetez une maison sur l'eau? Où il n'y a rien du tout, comme par hasard. Dans un jeu d'horreur, c'est toujours comme ça, les gars. C'est toujours comme ça. On est toujours seul dans un coin. Ou bien, on est dans un endroit où il y a normalement beaucoup de gens, mais sauf que tout à coup, il n'y a personne. Du coup, ça fait encore plus flipper. Wow. It's gorgeous, Alan. It's something, all right. Don't worry, honey. I'll get you inside safe and sound before it gets dark. Je veux quand même rester avec elle au cas où il lui arrive quelque chose. Je sais pas, moi, je sais jamais. The fear of darkness. I wanted to make sure we were inside with the lights on before sunset. Ok, il parle du darkness et tout là, de son cauchemar. Allez, viens, dépêche-toi. Mais t'en prends du temps, tu peux pas courir. Ok, bon bah j'y vais. Hein. Open the lock. Here we go. Let's take a look inside. Come on. Putain. Il avait pas oublié ses clés par hasard? Je dois activer le power on. Est-ce qu'il y a quelqu'un déjà? Je pense que c'est là, non? Non. Normalement, la cave est toujours là. Non, là. Mais quoi? Mais comment ça, wesh? Ok. C'est ici. Mais ça me fait flipper ce genre d'endroit. En plus, avec ça, wesh. Mais non, mais... Comment ne pas faire de cauchemar comme ça? Ouais. Wesh, ça m'a fait flipper. C'était pas mis au montage, hein. Ça c'était du bien dans le jeu. Oui, c'était quoi le truc que j'avais vu là? Ça fait flipper. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Non, on va plutôt se dépêcher de faire... Je flippe de recevoir encore un autre truc comme avant, là. Scream. Je vous ai prévenu, c'est un jeu d'horreur, après tout. Sur le lit, ok. Tu marches sur le lit avec tes chaussures sales. Ouais, bon, il est quand même bizarre, ce mec. Franchement, il n'y a aucun endroit où allumer les... Non, la lumière. Ne dites pas que c'était juste là. Pourquoi je dois toujours prendre les thermos? Elle est beau. Le tour là, moi. La radio, ça dit quoi? What? The island had once been the site for a love story. Maybe it would be that again. Oui, y a un cœur. Ok. Ah, peut-être là-dedans, les gars. Et ça explose. Ok, super. Eh ben, quelle autre porte? Elle est bizarre, ta baraque. Ah, voilà. The old generator had been connected to the power cable. Oh. Ok, c'est assez facile le concept pour activer les trucs et tout. T'es toujours là? Bon, sur moi, t'es du mal. Ah, oh, c'est bon. Ok, I'll look around a bit. Sure thing. Have fun. Ok. Du coup, les lumières refonctionnent enfin. Les lumières fonctionnent en fait. Vu qu'on vient juste de déménager. Ouais, je pense que ça. And forget about my work. Il veut vraiment oublier son travail.
I thought we could be happy here. Il pense qu'il pourrait être heureux ici avec sa femme. On va aller dans la maison pour voir s'il y a quelque chose. Les lumières un peu trop allumées comme ça, ouais, ça me fait aussi flipper. Hein. Ok, on doit aller chez Alice. Elle est où, Alice? Oh, t'es où? Ok, t'es en haut. Tu as une surprise. J'ai hâte de voir c'est quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Hello there. I'm not the surprise. It's in the study. Go take a look. Ok. Tu dis. Ah, travail, un travail. Ok, mais c'est marqué sur la carte. C'est là-bas. Surprise. Alice? Surprise. What is this? I guess I have a small confession to make. I thought maybe you could write here that a change of scenery would get you past. Damn, Alice, you. Everyone. Hey, hey, just hear me out. There's a local doctor, Dr. Hartman. I read a book of his. He has a private clinic here. He specializes in helping artists. Maybe... So now you want to get me committed? No, it's not like that. That's not. Whoa. Alan? C'était quoi ça? Alan? I don't, just don't. I don't want to hear it. Qu'est-ce qui se passe? Damn it, Alice. Mais non, pars pas. C'était bête ou quoi? I knew she wouldn't follow me in the dark. I needed some time alone to think things through. Il en a juste marre de son travail, mais t'es pas obligé de partir non plus, les mecs. La laisse pas seule. Oh non, c'est bon, ça va commencer, les gars. Damn it. Alice? Et voilà, je te l'avais dit, ouais, je la laisse pas seule, Alice. Bordel. Oh, je commets des cris. Il a crié tellement fort. Wesh. Oh non. Et wesh. Les chauves-souris, ça arrive. Wow, ça fait flipper. J'ai plus envie de jouer là. Wesh. Je se fait emporter. Oh non! Je t'ai noyé? Mais non! Mais non, c'est pas possible! Elle s'est noyée, mais bien joué, fallait pas la laisser seule! Go, Alice. Wake up. Alice? Ok. Qu'est-ce qui se passe? Oh, il s'est blessé sale! Il est tombé dans l'eau, non? What? Et pourquoi il est dans une voiture maintenant? Mais non, mais c'est n'importe quoi. All I knew was that something terrible had happened to Alice. Wesh. I'd have to find help on foot. Oh non, il est obligé d'aller quelque part sans rien du tout. Je pourrais examiner ça. Things was a book, The Creator's Dilemma, by a Dr. Emil Hartman. Ok, c'est bon, c'est son juste délire. I didn't like it, and I didn't like the guy's smug face on the cover either. Ok. The gas station was my best bet. They'd have a phone I could use. It looked like a long hike through the forest to get. Ok. Let's go aller à la gas station, à la station de gaz. Ok, est-ce qu'on est obligé de. Ouais, bon, on est vraiment obligé de descendre. Oh non! Mais non, ta voiture! Oh mon dieu. Tu sais ça coûte combien ça? Oh là là, sa voiture elle est morte. Du coup let's go aller en bas les gars. Ok, par là-bas. C'est par là-bas, hein, rassure-moi. Par an que c'est pas. Ah si, ouais. Wesh, c'est la lumière encore. Wesh la lumière. Wesh, tu vois bien la lumière. Someone there? Non, la lumière part pas. What? Écrit quelque chose sur le papier. The loose sheets of paper were pages from a manuscript entitled Departure. That was the name I planned to use for the next novel I had never gotten started. I was named the author. I hadn't written it. I couldn't remember writing it. In the scene on the page, the hero was attacked by an axe murderer in the woods at night. C'est lui qui avait vraiment écrit ça en plus. Et il s'en souvient pas juste. Bruh. Mais il est sérieux. Tu te souviens pas du livre que t'as écrit sur une histoire d'horreur tellement. Please, I've been in an accident. Oh my god, wesh, qu'est-ce qui se passe? Il y avait un gars juste ici. On est bien. Il y a personne là. Oh.
Ok, ici y a personne. En tout cas, pour l'instant, y a personne, hein, les gars. S'il y a quelqu'un, je sprint direct. Pour l'instant, je ne sprint pas pour garder mon stamina. Pour garder mon endurance. Rien que ces panneaux, ça me fait peur. On peut pas prendre quelque chose ici, non? Rien, ok. Ok, let's go. Ne tombe pas, frère. Maintenant, tu peux tomber. Wow, qu'est-ce qui se passe? Wesh. Non, 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 mais dis pas que c'est lui. Mais dis pas que c'est... Oh non, c'est lui. Oh, Carl Stucky. Mais wesh, il a plusieurs voix en plus. Pas possible. Il est où? Wesh, il est où? Mais j'entends sa voix partout, qu'est-ce qui se passe? Je dois aller par où? Wesh! Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui se passe? Mais non, j'ai pas envie de crever, je suis trop jeune. Oh, wow! Il a des super pouvoirs en plus! Et moi j'ai pas de super pouvoir. Oh, oh non. Oh non, 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 moi je me casse. Vas-y, je sprint. Wesh, c'est vraiment fou. On dirait Jason, wesh. En un peu moins dangereux quand même. Oh, c'est le bruit. Oh, il a un pistolet. Oh, il a un flashlight. Puis, je suis vraiment. Voilà. Ok, on va prendre ça, les gars. On va aussi prendre ça. On va prendre tout ce qu'on peut prendre. Non. Oui, non, j'ai tiré. Oh non, il a un bras cassé. Mais calme-toi. Il est en train de bouger. Il est en train de bouger le tracteur, wesh. Mais non. Non, 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 j'ai pas envie de mourir, j'ai pas envie de mourir. Oh non, moi je me casse. Wesh, la maison. Il est où le gars? Il est où ce fou? Oh non, là. Je sens que ça. Ah non. Ça, c'est l'électricité. Wesh, mais ça s'est ouvert tout seul. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, 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 non. Vas-y, vite. Oh non, mais ça marche pas. Non, 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 non. Non, je vais mourir. Ok, j'ai désintégré et lui... Allez. Mais... je dois d'abord le blesser et après, ok. Ouais, là c'est bon. Tu es mort. Hein. C'est assez hard, hein, le truc. En plus, on a des munitions et tout. J'ai vraiment pas le droit de passer par là, ok. La station de gaz, elle est vers là-bas. Du coup, let's go y aller, les gars. Je suis rarement blessé. Je peux pas. Non. Ah non, elle est là-bas maintenant. Mais de wesh. Ah, je pense que je dois désactiver. Non, ça se désactive pas. Je dois aller par où? Par là-bas? Ah ouais, par là-bas. Ah ok, je dois désactiver ici. Boum. Allez, très belle électricité. Voilà, comme ça, les gars. C'est comme ça qu'il faut casser l'électricité. Bon, ça n'a pas trop de sens, mais bon. Oh non, mais pas lui encore. C'est bon, il est mort. Il leur suffit de leur tirer dessus 3 coups et puis après c'est bon. Ok, ok. Du coup, je vais prendre ça. Et je vais prendre ça. Dès que je trouve des trucs comme ça, je prends les trucs de dedans. Parce que franchement, c'est nécessaire. Je dois pas casser encore un truc par hasard. Je peux passer par le côté. Ouais, c'est bon, je peux passer. Les barils explosifs, je peux les... Wow, 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 wow. Mais arrête avec tes screamers.
On fait le P là. Ok, je dois passer par là. Par contre, ça va prendre du temps. Tu vois, prendre du temps parce que c'est quand même loin, voilà. When I saw the river below, something uncoiled itself inside my head. I realized that I'd have to find a way across. Okay. Il a vu quelque chose dans l'eau. Mais non, mais t'es sérieux, mais. Les gars, en fait, le truc qu'on avait vu, c'était le mec qu'on l'avait vu sur la photo là de la maison. Vous vous souvenez pas? Parce que le gars là, genre, avec son mat de sous-marin et tout. J'sais pas trop comment le décrire, mais en tout cas, il était dans la maison. Je vous l'avais montré deux fois, si je me trompe pas. Ok. J'ai pas de risque de me blesser, hein. Ok, ça c'est des pages du manuscrit. Je pense qu'on doit aller par là parce que l'autre côté, je suis pas trop sûr qu'il est très très sûr. Ah ouais, en plus c'est par là. Non, mais c'est pas possible. Pas lui encore. Bah non, il est là-bas. Je téléporte le gars. Oui. Tu me fais flipper là, arrête. Ok. Ah, il y avait un truc. Ah, ok, c'est des batteries. On va aller au gas station, j'espère que j'aurai le temps. Oh non, 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 pas vous. Non, non, il m'a lancé un truc. Ok, c'est bon. J'ai tué ces deux mecs des ténèbres. Ok, on va aller vers là-bas, les gars. On doit monter ? Ouais, c'est bon, on doit monter. Pour l'instant, on est pas trop loin de la gas station. Ouais, c'est juste ça. Non ? C'était pas l'endroit où il était descendu, là ? Wesh. Mec, et ça, on prend, les gars. On n'oublie pas. C'est ici. Okay. Il y a pas d'électricité, ça fait peur tout ça. On doit aller vers là-bas. Ok, on va monter l'échelle. Allez. Et monte plus vite. Oh là là. Ok, du coup, je vais aller vers là-bas. Ouais, c'est bien ça. Et pourquoi j'ai monté alors? Ça servait à rien. Là, il y a. Oh, bah, voilà. Forcément. Non. Ah, je suis vraiment obligé de leur faire ça. Oh non. Mais non. Mais ils sont combien? Oh, ils me font flipper. Mais vas-y, une fois j'ai pas de munitions, une fois j'en ai. Ok. Vas-y. Ok, je vais me désintégrer deux. Le dernier, c'est bon. Ok. Let's go. On va aller trouver le générateur après avoir tué ces petits mecs. Ok, oh, il est là, le générateur. Je le démarre. Démarre. Et démarre, mon gars. Et voilà. On le démarre comme ça, le générateur. Et ouais. Ok, maintenant, je peux activer ça, c'est ça? Ouais, je pense que c'est ça. Ok, let's go, allez là-bas. Est-ce que je dois recharger? Non, c'est bon, j'ai rien à recharger. Pour le moment. Oh, j'ai quelque chose ici. Ok, on va prendre. Ah, c'est encore un thermos? Thermos. Ah ouais, encore un thermos. Wesh, thermos, ça sert à quoi la thermos? Ok, du coup, on doit... Ah, mais c'est ça. Ok, je dois utiliser ça. Puis après, déplacer ça en sorte que, en fait, je puisse passer le truc. Ok, super. Ok, c'est bon. Du coup, le truc là que j'ai bougé, c'est juste ça. Et je dois monter sur l'échelle et après passer comme ça. Je me demande pourquoi j'avais grimpé l'échelle avant. Je pensais que ça servait à quelque chose pour passer par là-bas. Ça servait à aller au retour. Ok, ça bouge qu'un. Du coup, c'est le path above. C'est quoi le path above? Ici, il y a de la lumière, c'est la sécurité. C'était un checkpoint. La radio. Shotgun? Wesh, on aura un shotgun carrément? J'ai pris des balles de shotgun, de pompe. Ok, bon, la radio, c'est un peu trop long. Il y a des chuchotements là. Je suis sûr qu'il aura encore des screamers et tout. Ah, voilà la gas station. La station de gaz, elle est là-bas. Yes. La gas station was closer now. It's light welcoming in the darkness. Paul makes the best jobs in the street. Oh non, il est là, le gars. Mais non. Il est partout. Bruh. Il est où en plus? Je vois même pas. Allez vite!
Vite, non. Non. Wesh. Mais... Oh non. Oh, c'est pas possible. Mais non, arrête de me lancer des haches. Mais non. Mais je t'ai dit arrête, bordel. Et voilà. Non, vite. Oh non, j'ai pas le temps. Vite. Oh non. Il faut qu'il y ait un rond affiché. Non, mais ça marche pas. Ah voilà, en fait j'ai déjà fait le truc. Et du coup, dès que je lui ai fait le truc, après je peux tirer autant que je veux sans avoir besoin du flashlight. Ok, maintenant je peux allumer. Yes. C'est bon. Enfin, j'ai allumé ça. Bah ça c'est tant mieux hein les gars. Du coup on doit aller vers là-bas. Bah il y a des trucs bizarres. En fait il y en a partout. Wow. Wesh, ils font peur. Ok, lui je peux le tuer. Il reste lui. Voilà. Ça dégage. Hein. Voilà mon gars. Ça c'est quoi? C'est quelqu'un ou c'est une bûche? Oh non, c'est une bûche tarde. Oui, ça m'a fait peur. Non, il y a tout qui fait flipper ici quand même, faut avouer. Oh non, il y a des mecs derrière. Oh non. Ok, vas-y. Non. J'ai plus de batterie. Donc déjà toi tu dégages et toi aussi tu dégages. Eh ouais mon gars. C'est comme ça que ça se règle le petit problème comme ça là. Franchement il est bien le jeu, après il n'y a pas vraiment besoin de faire beaucoup de trucs. Il faut juste esquiver les coups de hache. Et après il faut aussi bien sûr lâcher le flashlight au bon moment et tout. Ok, j'espère qu'il y a des batteries de flashlight. Revolver, ouais ça c'est bon. Et batterie, ah voilà, super. Du coup le flashlight j'ai pas besoin de le recharger. Le flashlight j'ai seulement besoin de le recharger quand il est tabou. Ça m'a fait peur. J'ai cru qu'il y avait quelqu'un dedans. Mais arrête de crier mec, tu fais plus peur. Arrête de crier. Il y a un petit oiseau super beau. Oh non, il va bouger. Non. Ok, bon, tant mieux. Tant mieux si ça bouge. Oh non, il y a encore des mecs dehors derrière moi. Non, il y en a trois. Non, carrément. Ah non. J'avais pas vu lui. Ah mais lui, je l'ai eu. Mais non, je les ai eu, wesh, normalement. Mais je l'ai eu, wesh. Pourquoi ça n'a pas marché? Ok, du coup, là-bas, il y a encore un mec, non? Ah non, je l'avais tué, en fait. Ah non, c'est bon. Ok, les gars, let's go aller au gas station. Je dis toujours ça, vu que c'est quand même le but, après tout. Bon, entre j'en ai vraiment marre de cette darkness, là. Ok, j'ai ouvert le portail, normalement. Ouais, c'est bien ça. Et bon... Ok, bah par contre ces trucs ça me rassure pas hein, pour de vrai. Et ces bûches là, je sens qu'ils vont tomber. Ah, t'as le désactivé? Il y a quelque chose? Parce que le son là, il devient de plus en plus fort. Oh non, c'est le darkness qui m'envahit. Oh. What? Oh, il y a des batteries, mais c'est cool. Est-ce qu'il y en a aussi là-dedans? Ah ouais. Je peux en prendre avant, en tant que jeu? Ah ouais. Ah, il y a des caisses illimitées carrément. C'est super. Ok, j'ai maximum. J'ai rechargé. Non, c'est bon. En fait, c'est déjà mal. Le mec, il est là-bas. Par contre, je vais vraiment faire attention aux bûches là qui sont accrochées. Parce que je sens que ça peut faire mal. J'ai cru que c'était la bûche là qui allait me tomber dessus. Oh, il y a Jason sans le masque. La vraie identité de Jason. Non, vite. Ok, encore lui, c'est bon. Ok, du coup, je peux vous buter maintenant. Vite! Non! Tu mourras pas. C'est moi qui te le dis. Wesh, mais il y en a beaucoup! Il y en a un, mais. Mais tu veux quoi, toi? Mais wesh, il est tellement rapide! Mais c'est le boss final ou. Wesh! Ok. Wesh, mais. Mais t'es trop rapide, toi! Je suis trop flippé. Eh, hey, mec, il est où? Les mecs, arrête! Calme-toi au bout d'un moment! Et combien de coups? Il faut combien de coups à lui? Ah bah enfin il est mort! Wesh! Oh, c'était lui là, le gars qui n'arrêtait pas de parler! Enfin il est mort! Par contre, je vais reprendre les munitions.
Mais il y a même plus de munitions, mais non, c'est pas possible. Mais si, ils sont là-bas. Ah non, si. Ah ouais, voilà, ils sont là. Heureusement qu'ils sont là. Parce que mec, les munitions, j'en ai vraiment besoin. C'est bon, j'en ai max. Allez, on va prendre le thermos. Yes, on a pris le thermos. J'adore le thermos. Oh, faut pas ouvrir. Mais j'avais appuyé sur eux. Voilà, comme ça, ça ouvre. Tranquillement, mon gars. La gas station, il est là-bas, ok. Oh, elle est juste là. Yes. Enfin. I recognize the parade float I had seen in Bright Falls when I first arrived with Alice. Il est cool ce cerf. Moi je sais pas, il a l'air cool. Est-ce qu'il a quelque chose dans les poubelles, des munitions ou quelque chose qui Je dois trouver un téléphone. Oh. C'est quoi ça? Moi ça fait flipper. Just now I could smell her perfume in the room. I'll reach her, I'll fix it up. I'll bring her. Ah, c'est lui qui était en train de décrire le truc. She's lost. I don't believe this. It'd been me on the TV talking crazy. Was I losing my mind? En tout cas, c'est lui qui le dit, hein, c'est pas moi. Oh, il y a un téléphone. Je peux l'utiliser en moins. S'il te plaît. Bright Ball Sheriff Station. Oh. Yes, enfin. Mais il y a la police, carrément. Bonjour la police. God, Sheriff. Sheriff Sarah Breaker. You are I'm Alan Wake. But listen, I was in a car crash. My wife Alice, she's missing. Calm down, Mr. Wake. We were staying in a cabin on the island on Cauldron Lake. There's no island on Cauldron Lake, not since the big eruption in the 70s. Please, I can take you there, okay? You look like you've taken a pretty bad knock to the head. Are you okay? Listen, we'll figure this out. Please get in the car. We'll swing by the lake and then we'll go to the station. Okay? Okay, du coup on doit aller dans sa petite voiture. Moi, il doit aller dans sa petite voiture. Tell her what had happened in the forest. She wouldn't have believed me. And then she wouldn't have helped me with Alice. Okay. Oh wow. Wow. C'est bon. Et non, c'est encore lui. Ah non, c'est elle. Non, non, c'est bon. Je crois que c'était l'autre... L'autre Darkness. Moi, je vais l'appeler comme ça, Darkness. Je vais appeler les mini-trucs, les mini-Darkness, les autres, les Darkness. Alan Wake. Ouais, mon gars. Just a sprinkle of stardust and a whisper. La fin de l'épisode 1. Bon bah voilà les gars, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes possible, à vous abonner, activer la cloche de notification pour recevoir toutes mes prochaines vidéos qui sortent. Et d'ailleurs je ferai plusieurs épisodes sur Alan Wake vu que c'est un petit... voilà. Je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde et...